combat spirituel. Et ce jeu est décidément un jeu mystique. What? Regardez ça. Ouh, un dragon est ici. Et regardez comment ce dragon a attaqué carrément mon monstre. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Ignace Bon. Aujourd'hui nous allons dans une autre dimension, notre univers. Là c'est l'univers des jeux vidéo. Ce que nous allons découvrir ici, c'est hors du commun. C'est un jeu qui ne parle que du monde des ténèbres. Je me pose pas de questions et j'aimerais découvrir des choses avec vous ici. Soyez prêts. Let's go. Ok, là nous nous trouvons dans l'interface, dans le jeu et puis comme vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Là, on nous parle de le cœur des cartes et on parle de ça, on voit plein de symboles de l'Égypte, surtout d'un jeu de Yu-Gi-Oh. On va sauter tout ça, on nous parle de deck de l'utilisateur, on suppose que ce sont vos cartes qui sont ici. Bon, on va aller en arrière, on va aller et on voit une carte là devant. Là, nous allons découvrir des cartes hors du commun, et vous allez comprendre pourquoi on dit que ce jeu ne fait que parler de magie et des œufs du monde éternel. Vous allez voir que juste à partir d'un jeu, les gens enseignent carrément la sorcellerie aux gens, quoi. Les gens enseignent des gens sur les démons. Regardez par exemple ici, là j'étais 4, c'est moi qui dois jouer en premier. Et comme vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Cette carte s'appelle carrément Exodia l'interdit, magicien effet. Allez, si vous avez jambe droite de l'interdit, jambe gauche de l'interdit, bras droit de l'interdit et bras gros de l'interdit, en plus de cette carte dans votre main, vous gagnez le duel. Ça veut dire que si vous avez le bras de ce gars, si vous avez sa tête, son mollet ou bien quoi que ce vous voulez, si vous réunissez tout ce qu'ils ont dit ici là, vous, automatiquement, vous gagnez le combat. C'est comme quelqu'un est mort, les gens vont aller déterrer son corps, enlever les os de son pied, enlever les os de son avant-bras pour se balader avec. N'est-ce pas ça? C'est un truc hors du commun, mais c'est exactement ce qui est la question ici. Et on vous dit que quand vous avez ça, vous gagnez des pouvoirs, vous gagnez même ici même le combat en même temps. Genre vous gagnez le duel. Parce que si c'était duel, il y a le cas de mes ennemis ici, mon ennemi. Et ça, je suis ici. Moi j'ai des pouvoirs, l'ennemi aussi a des pouvoirs. Je ne sais pas exactement quelle est la puissance de mes ennemis. Ou bien de mon ennemi qui est là. Mais ne vous inquiétez pas. Lui-même, il finira par se dévoiler. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons parcourir les cartes. Vous voyez encore une autre carte qui s'appelle carte piège. Cette carte, c'est une carte piège qui s'appelle cercle envoûtant. Cercle envoûtant. Honnêtement, ce jeu ne fait que parler de la magie. Là, c'est maintenant clair dans tous les esprits. Ah, l'envoûtement, est-ce que c'est une bonne affaire? Ça, c'est même la sorcellerie. Vous voyez que ici, j'ai genre la tête de ce gars-là et j'ai en même temps son bras. Un truc de ouf. Avec cette carte que j'ai ici, je peux attaquer ici. Cette carte s'appelle là. Cimetière de Mammouf. Hein? Cimetière carrément. Est-ce que vous en vous rendez compte? Quel est tout du cimetière ici? On va poser cette carte juste ici comme ça. Et puis, voir ce qui va se passer par la suite. Soyez prêts. Vous allez voir que au fur et à mesure que nous allons jouer, nous allons voir des cartes bizarres, comme cette carte que l'adversaire vient de jouer. Et vous voyez qu'il a attaqué. Et il a positionné une carte magique, une carte qui est juste là, là-bas. Comment s'appelle cette carte vient de qu'il l'a utilisée pour m'attaquer? Cette carte s'appelle la djinn, le génie mystique de la langue. La djinn. J'ai envie de dire le démon, quoi. On dit le génie mystique de la lampe. Donc c'est même un génie. C'est un génie de la lampe. Et on parle que des génies.
on parle que des trucs bizarres, même des démons, voyez-vous, qu'est-ce qui est écrit? On dit démons, génie de la lampe, à l'entière disposition de son maître. Ça veut dire que quand vous avez cette lampe, il y a un génie qui en sort, et ce génie-là vient pour vous servir. Et on nous enseigne cela carrément comme ça. Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que dans la vraie vie de telles choses peuvent exister? Ah, détrompez-vous. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous croyez. Nous sommes ici pour découvrir des cas bizarres. Et combien de fois, au travers des jeux vidéo aujourd'hui, on peut enseigner comment faire de la sorcellerie. Regardez par exemple ça. On peut poser une carte ici. Et passer son tour. Au fur et à mesure que je vais jouer, je vais quand même vous révéler des trucs bizarres. Ça va vraiment me surprendre. Là, il peut attaquer librement. Ici, je vais poser une carte ici. Et on va déposer. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez la possibilité de faire une invocation. Comme vous pouvez voir, il a activé une carte magique. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Nos points sont ici, ces points sont de l'autre côté. Là, c'est une histoire de vie. Il ne fait que gagner en vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il y a une histoire sérieuse, je dois faire quelque chose. Je vais essayer de faire comme ça. Vous pouvez faire une invocation ou poser la carte. C'est un jeu, n'est-ce pas? Oui. Mais pour pouvoir jouer à ce jeu, vous devez connaître les cartes. Vous devez connaître les cartes. Connaître le pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Il vient d'invoquer un monstre terrible qui risque d'utiliser pour m'attaquer. Aïe, aïe, aïe. C'est une carte qui veut devenir. Cette carte est une carte magie. Il s'appelle épée de révélation de la lumière. On dit retourner face à toi. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte reste sur le terrain pour 3 tours de votre adversaire. Tandis que cette carte est face à toi sur le terrain. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. On va pas l'activer pour le moment. C'est-à-dire que si on active cette carte, il y aura quelque chose qui va se passer. Nous allons juste jouer cette carte. On va juste poser à cause de la puissance de cette carte qui se trouve là. Comme quoi, il faut quand même connaître qui sont nos ennemis afin de pouvoir bien faire le combat, quoi. Et c'est exactement une démonstration de ce qu'on appelle le combat spirituel. Et ce jeu est décidément un jeu mystique. What? Regardez ça. Ouh, un dragon est ici. Et regardez comment ce dragon a attaqué carrément mon monstre. Il n'a même pas laissé l'opportunité à mon monstre de se défendre. C'est tout simplement parce que c'est ça la vie. Soit vous attaquez ou on vous attaque. Moi aussi dans une situation terrible où je n'ai rien sur le terrain. Il a invoqué un monstre terrible, même deux monstres. Il s'est dit que c'est ça le monstre le plus puissant. Il se croit maintenant invincible. C'est ce que le diable lui a fait croire. Or moi, j'ai quelque chose qui peut renverser le jeu à ma faveur. Et c'est quoi? C'est cette carte qui est ici, qui est aussi une carte magique. Vous voyez que ce jeu ne fait que parler de magie. Ça ne fait que parler des œufs du monde des ténèbres. On dit que Raigeki, c'est ce qu'elle s'appelle Raigeki, carte magique. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. C'est-à-dire qu'avec cette carte, quelle que soit la puissance de mes ennemis, je peux les détruire. Aïe aïe aïe. Regardez ce qui va se passer. Ouh! Juste comme ça. C'est-à-dire que quand le diable donne quelque chose, c'est comme ça, cette chose peut partir en un instant. Waouh! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire?
je n'ai pas de carte puissante. Je vais faire une invocation. Vous voyez que vous devez invoquer. Pour que ces cartes apparaissent, il faut les invoquer. Et ces cartes qui s'appellent comment? Ces cartes s'appellent carrément Sangan. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il fait partie de la catégorie des démons. Et il a des mêmes temps des effets. C'est un truc hors du commun. C'est un truc hors du commun. Et c'est exactement ça. La personne sur le terrain, il va se mettre à attaquer. Ouh, mais là, on a vu venir l'attaque. Il a activé une carte magique pour détourner l'attaque. Et ce jeu-là, c'est un jeu de stratégie aussi. Quand vous jouez à ce jeu, vous développez des techniques. C'est étrange, mais c'est l'impression qu'on a. Pendant que vous croyez que vous êtes après les trucs, c'est en ce moment-là même que vous apprenez en même temps la magie des cartes. Et si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a des gens tellement curieux qui veulent aller plus loin pour savoir ce qui se passe après et tout ça, tout ça, ces gens-là vont se mettre à découvrir des choses comme ça, même à s'attacher à des esprits séducteurs. Parce que tout ça, ça vient pour se tuer en fait. C'est que la séduction. On nous dit de sélectionner une carte. Aïe aïe aïe. Il a détruit une de mes cartes sur le terrain. Et c'était un démon qui avait des effets. Et déjà, on a vu les effets de ce démon. Là, il y a une carte sur le terrain qui appartient à ce démon. Je vais avoir une carte qui est plus puissante que sa carte qui se trouve là. Et l'attaquer à mon tour. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux également activer cette carte là. Pour détruire toutes ces cartes, parce qu'ici il est mentionné. Cette carte s'appelle Trou Noir. Voilà. Cette carte s'appelle Trou Noir. Et on nous dit que c'est une carte magique. Vous devez savoir que la magie, c'est un peu comme la sorcellerie. Tout ça, ça vient des yeux du monde des ténèbres. Vous voyez Trou Noir. D'utiliser tous les monstres sur le terrain. C'est-à-dire que la magie, au même titre que la sorcellerie, sont là juste uniquement pour détruire. On ne peut que détruire. Et regardez ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Faire une invocation. Et moi aussi, il va falloir que je fasse quelque chose. Comme quoi? Comme attaquer. Parce que la voix est libre. Mais que va-t-il se passer? Ah, ok. Là, on voit que ses points de vue diminuent. Waouh! Là, vous comprenez ce de quoi il s'agit de parler. Et vous voyez en même temps ce qui se passe dans l'univers des jeux vidéo aujourd'hui. L'univers des jeux vidéo aujourd'hui vraiment enseigne tant de choses vraiment très bizarres. Si vous n'avez pas l'esprit éveillé et que vous savez que en jouant à un jeu, vous risquez de tomber à couvert, de vous retrouver dans un autre endroit. S'il vous plaît, arrêtez en même temps. Moi, ce jeu ne me dit absolument rien. Oh, c'est une carte qui se trouve là. J'ai juste utilisé ce jeu juste pour vous en parler et attirer quand même votre attention là-dessus. Parce que ça m'a quand même étonné. Ça m'a vraiment trop étonné que dans ce jeu on ne fait que parler du diable, des démons et tout ça. On n'a pas d'invocation. C'est un peu comme de la sorcellerie. Maintenant, les gens vont dire que la sorcellerie n'existait pas. Maintenant, les gens vont dire que le diable fait l'histoire. Mais regarde ce qui se passe ici. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc de ouf. Nous venons d'activer une carte magique qui s'appelle Épée de révélation de la lumière. La carte magique va tourner face à tout. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, activé. Et bon, je pense que vous avez compris. Vous avez vu un peu ce qui se passe ici. Je vais pas vous faire un dessin. C'est carrément un jeu vraiment mystique. Et il y a plein d'autres jeux comme ça, mystique et qui parlent des démons qui existent, que nous allons vraiment. Je pense que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Soyez prêts. Aïe aïe aïe. Il a empêché l'adversaire d'attaquer. Ok.
Et ils ont tellement bien fait le jeu que vous jouez à ce jeu-là tranquille, tranquillement, quoi. Là, je ne peux pas attaquer. Je pense que j'ai bloqué l'une de ces quatre. Et ainsi va le jeu. Est-ce que vous avez entendu parler des anges ici? Ou bien du Saint-Esprit dans le jeu? Même pas! Il n'y a pas de Saint-Esprit ici. Donc c'est un jeu terrible qui parle des démons et des ténèbres. Nous, là, cette carte que nous venons de jouer s'appelle carrément Trou Noir. Et nous avons détruit toutes ces cartes. Aïe aïe aïe. C'est un truc hors du commun quand même. Wow. Bon, je pense qu'on a assez appris. Voici déjà une autre carte qui vient de venir qui s'appelle Elfe Mystique. On dit cette carte est une carte de type magicien. On dit une délicate elfe qui manque à d'offensive. Mais dont la fantastique défense est renforcée par un pouvoir mystique. Et où est ça? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit aux gens de venir prendre des packs magiques, il n'y a pas de protection. Voici exactement comment c'est démontré ici, juste au travers d'un jeu. Waouh! Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez appris quelque chose et que vous pensez qu'on doit faire cette vidéo et que vous aimeriez voir d'autres vidéos, laissez déjà votre j'aime. Et puis, dans la partie commentaire, écrivez deuxième partie. Ainsi, sans doute, nous ferons une deuxième partie et nous découvrirons beaucoup de choses encore. Là, je suis en train de piocher des cartes, je ne sais même pas pourquoi. À cause d'une carte magique, surtout sur le terrain. Cette carte magique s'appelle Cœur de l'opprimé. On dit que c'est une carte magique. Durant votre draw phase, lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres normaux, vous pouvez les révéler, piocher une carte supplémentaire. Là, on dit qu'on nous parle de monstres. On nous parle de monstres, de démons, de magie. C'est exactement ça. Regardez par exemple cette carte-là. Cette carte s'appelle Crâne invoqué. Crâne. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si on se trouvait face à l'ange de la mort, quoi. Et on nous dit que c'est même un démon. Un démon dans le pouvoir, donc démon dans le pouvoir diabolique désoriente l'ennemi. Parmi les monstres de type démon, ce monstre a une force considérable. Cette carte est toujours traitée comme une carte arc démon. Jésus, est-ce que vous en avez compte? Et pour pouvoir invoquer cette carte, il faut sacrifier quelqu'un. Regardez. Pour pouvoir voir cette carte, il faut sacrifier quelqu'un. Genre, pour dire que pour pouvoir voir le diable, il faut que quelqu'un soit sacrifié, quoi. La vie a l'air de ressembler à un jeu. Mais c'est pas un jeu. Ce jeu-là nous révèle exactement ce qui se passe. Et regardez, cette carte va maintenant attaquer. Ouh. Là, l'ennemi a activé un effet pour empêcher l'attaque. C'est un truc hors du commun. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. C'est parti.